Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 22 juin, nous vous dévoilons un projet de 8 millions d'euros en images. L'ancienne clinique Sainte-Croix au Mans, laissée en friche depuis 2003, deviendra bientôt une résidence de grand standing découverte dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, rencontre avec un artiste sartois prêt à conquérir l'Amérique. Ce danseur a été choisi par l'un des plus grands chorégraphes du monde pour être son élève pendant 3 semaines. Chabadou, l'ami de Michael Jackson et de Madonna. Le sport, c'est aussi un moment de partage dans cette édition avec les 3e journée consacrée au sport adapté au handicap, organisée par le comité départemental sport adapté la semaine dernière. Et puis, pourquoi ne pas tester en immersion, une immersion dans la réalité virtuelle? Nous avons justement essayé pour vous une toute nouvelle salle de jeu qui propose au Mans ce type d'activité. Il n'en existe qu'une dizaine dans toute la France. Nous vous lisions en titre au Mans, l'ancienne clinique Sainte-Croix va changer de visage. À l'abandon depuis 2003, cette clinique réduite à l'état de squat va se transformer en résidence de grand standing. Coût de sa réhabilitation, 8 millions d'euros. Mathias Hubert vous propose de faire le tour du propriétaire. Après 14 ans d'abandon, la clinique Sainte-Croix a pris des allures de squat. Ses nombreux couloirs sont recouverts de graffitis et le bâtiment tout entier est délabré. Mais la clinique va bientôt se transformer et changer de visage. Le bâti original de la clinique va être conservé et réhabilité. Une 60aine d'appartements et 500 mètres carrés de bureaux vont voir le jour. Un chantier conséquent de 8 millions d'euros et un défi pour l'architecte. C'est des projets de réhabilitation qu'on qualifie de réhabilitation lourde, où on restructure un bâtiment existant avec des fonctions initiales tout à fait particulières. C'est passionnant, c'est bien sûr passionnant parce que on est sur un ouvrage qui a quand même une certaine histoire. Et puis bon, j'ai à titre personnel, comme j'ai travaillé beaucoup pour les Sœurs Marianites qui étaient propriétaires du site, il y a presque un petit peu d'affectif dans cette démarche-là. Le nom de cette future résidence, l'horloge, le Belvédère du Mans, un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes sur le point le plus haut du Mans, donc nous sommes le Belvédère du Mans, et à tout Belvédère, il faut une horloge. Donc ça, c'était la première thématique. Et puis la deuxième, c'est un petit clin d'œil, puisque quand on se visite dans le bâtiment, on voit qu'un graffeur a dessiné beaucoup d'horloges, a écrit beaucoup l'horloge. Donc on avait l'horloge du Belvédère, on avait l'horloge du graphe, donc voilà. Et puis une volonté de ne pas avoir un nom commun à toutes les résidences, les terrasses de, les jardins de, le domaine de, la résidence de, on a laissé les autres promoteurs choisir ces noms-là et nous on a voulu innover un peu. Les travaux devraient durer 18 mois et ils ne débuteront que lorsque 60% des logements seront précommandés. Une porte ouverte est organisée ce samedi. Et puis une bonne nouvelle, le thermomètre devrait enfin baisser dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, la Sarthe n'est plus en vigilance orange d'après Météo France, mais la sécheresse s'installe. La préfecture de la Sarthe met en place des mesures de restriction d'usage de l'eau dès à présent, car la baisse des niveaux des cours d'eau est très sensible sur plusieurs bassins versants, ceux de la Vègre et de l'Orne saônoise, en jaune sur la carte que vous allez voir sur votre écran, sont en situation d'alerte. Celui de la veuve Tusson est en alerte renforcée. Il devient donc interdit pour les particuliers d'arroser les pelouses et autres jardins entre 8h et 20h, de laver leur voiture ou de remplir leur piscine par exemple. Concernant les agriculteurs, la limitation des prélèvements d'eau s'élève à 60% des volumes autorisés sur les bassins en alerte, à 40% sur les bassins en alerte renforcée. Et puis rappelons que le préfet de la Sarthe, Nicolas Quilly, a déclenché le niveau 1 du plan vert de prévention des incendies de forêt. Absolument, l'ensemble de la population est appelée à la plus grande vigilance aux abords des secteurs boisés. Depuis quelques jours, les interventions de pompiers se succèdent dans le département pour des départs de feu sur des exploitations agricoles ou dans des sous-bois. Pour l'instant, ces départs sont maîtrisés, mais vigilance donc. Et puis du sport, 2 nouvelles recrues sont annoncées au Mans FC. Nicolas Suchet en provenance de National 1 Lyon-Duchère. C'est un milieu défensif de 28 ans. Il a été 10 fois titulaire en National cette saison. Et le jeune attaquant Cédric Tangachi a 21 ans. Il vient du centre de formation de Niort. Après la signature de 2 nouvelles recrues défensives au club il y a 10 jours, le Mans FC continue de préparer sa nouvelle équipe pour la National 2 à la rentrée.
Quel est le point commun entre Michael Jackson, Madonna ou Justin Timberlake, Laure ? La danse, Maxime. Et tous ces artistes ont partagé les conseils de l'un des plus grands chorégraphes du monde, l'Américain Chabadou. Eh bien, un jeune danseur sartois a été choisi par ce dernier pour bénéficier de 3 semaines de stage avec cette référence incontestée du monde du spectacle. Originaire d'Allonne, Mourad Elmrini vit un rêve éveillé. Antoine Besson l'a rencontré pour nous. Ce jeune manceau part aux États-Unis pour apprendre auprès d'un des plus grands danseurs au monde. À 27 ans, Mourad Elmrini a été choisi par le chorégraphe de Madonna, Lionel Richie ou encore Michael Jackson pour devenir l'ambassadeur européen de son type de danse, le locking walking. On peut parler de consécration parce que, d'autant plus que Adolfo Chabadou Quiñones, moi je l'ai connu, j'avais 4 ans, je regardais ses films quand j'étais tout petit, quoi, et donc du coup j'ai toujours grandi en fait en l'observant, et le fait que lui reconnaisse mon travail, il n'y a pas plus belle reconnaissance, on va dire, dans moi, en tout cas dans ce que je fais. Originaire d'Allonne, Mourad va devoir valider son certificat d'instructeur à Los Angeles dans quelques semaines. Pendant 20 jours, il va apprendre aux côtés de son modèle qui a aujourd'hui 62 ans et qui souhaite trouver son digne successeur. Ça va être 3 semaines de formation intense. Voilà, de 7h du matin jusqu'à 8h le soir. Donc ça va être formation physique, formation mentale, formation aussi sur l'histoire de ces danses-là, de toutes les danses de rue qui ont influencé justement les plus grands artistes comme Michael Jackson, Usher, Chris Brown, Justin Timberlake jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mourad partira ensuite enseigner cette danse mélangeant rock, soul, funk et jazz dans toute l'Europe. Un rêve de gosse pour lui qui a commencé la danse à l'âge de 13 ans et qui l'enseigne encore actuellement à Coulaines et au Mans. J'ai réussi avec de la détermination, de la persévérance, beaucoup de patience, parce que voilà, quand tu grandis et qu'on te dit ouais la danse c'est pas un métier, etc. Forcément, le regard des autres peut influencer sur la direction qu'on veut prendre dans la vie. Mais malgré ça, voilà, j'ai écouté ce que j'avais dans mon cœur et j'ai réussi. Mourad Elmrini s'envole pour l'Amérique le 8 juillet. Une expérience qui le propulsera davantage sous le feu des projecteurs. Et si tous les sports pouvaient être pratiqués, quel que soit le handicap ? C'est en tout cas l'objectif du comité départemental sport adapté de la Sarthe. La semaine dernière, il organisait la 3e édition d'une journée découverte de sports très variés et tous accessibles. Un sujet sur des images d'Audrey Izikel. C'est bien ça. Le handicap, ça n'empêche pas d'avoir la gagne, bien au contraire. Démonstration avec le club de Kung Fu Shaolin Guan de Sillé-le-Guillaume. Moi j'y vais beaucoup au feeling et aussi suivant les pathologies des personnes que j'encadre. Donc c'est-à-dire que si je sens qu'ils ont plus envie de se défouler, on va aller plus sur quelque chose de boxe ou autre. Suivant aussi leur réactivité, leur motricité aussi. Il faut juste s'adapter vraiment à la personne qui est en face. Si elle est en fauteuil, elle travaille soit les poings ou les pieds, parce qu'on se met à sa hauteur en fait, on s'adapte tout simplement. Mais pour moi, je ne veux pas faire de différence. 17 disciplines étaient proposées ce jeudi, centre de loisirs des Étanchauds au Mans. Équitation, tennis de table ou encore de la boxe. Et on vient mettre les genoux, bam, ici. Vas-y, attends, les genoux. Allez, on revient, les genoux. Cette 3e édition des Beaux Défis, organisée par le comité départemental de sport adapté, a pour but de montrer que tous les sports sont adaptables. Elle souhaite inciter un maximum de clubs à relever ce défi. C'est aux techniciens de la pratique de s'adapter et de découvrir la façon d'adapter le sport. Comme la boxe thaï, ils font de la boxe thaï, ils l'ont adapté à notre public. On en revient au vivre ensemble, c'est-à-dire accepter que l'autre ne soit pas parfait ou ne soit pas comme nous. Et en gros, quand on dit prendre un enfant par la main, nous c'est un peu ça notre public. Il faut savoir les prendre par la main à un moment pour les accompagner pour grandir. À ce jour, la Fédération des sports adaptés de la Sarthe compte 1 millier de licenciés. Top là.
Et on termine ce journal avec une idée loisir. Faire de l'escalade, voler ou tuer des zombies devient désormais possible, Maxime. Enfin, presque, puisque nous parlons bien de réalité virtuelle. Un cyberespace de jeu en immersion vient d'ouvrir au Mans. Il n'en existe qu'une dizaine de ce tout nouveau genre en France. Découverte avec Diane Lemoisson. Ce n'est pas flagrant, mais là, Adrien est en train de dégommer des robots. Voici ce qu'il voit dans son casque, tout un monde immersif dans lequel il peut agir presque naturellement. Il suffit juste d'appuyer, de tirer un peu, et hop là, il y a une tête. Lâchez la tête, prendre un bras. Une expérience de jeu déstabilisante, désormais possible au Mans, deux frères en ont fait le pari. C'est le rêve de tous les gamers, hein, d'être dans le jeu vidéo. Et là, c'est complètement ça, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que c'est totalement addictif. Quand vous faites, par exemple, de l'escalade, vous n'avez pas envie de tomber parce que du coup, vous vous dites, c'est ma vie qui est en jeu, quoi. On est au tout début du concept, mais en fait, là, voilà, les premiers clients qu'on a vus, ils ont testé le truc, ils ont fait, mais voilà, quand tu vois leur tête, tu fais... Et qui reviennent limite deux heures après, non mais c'était un truc de fou, on revient. Alors, voilà, il y a déjà des habitués, il y en a qui reviennent quasiment tous les jours. Une session dure 20 minutes et coûte 9 euros, prix dégressif. Et il y en a pour tous les goûts. On peut s'envoler, faire de l'escalade, se prendre pour un ninja ou encore tirer. Et ce n'est pas forcément un loisir solitaire, puisque l'on peut jouer ensemble ou les uns contre les autres. Ah bon, je vais lancer à côté. C'est notre jeu de western qui carbure, parce qu'il y a de la coopération. Donc du coup, en fait, les gens arrivent à 3, 4, 5, 6. Et donc du coup, le côté en fait, où ils se voient dans le jeu et ils se voient... avant le jeu, comme ils étaient en face, donc du coup, c'est un petit côté marrant, un petit côté ludique, faire une petite partie de cartes, voilà, c'est vraiment, avant de commencer, avant de sortir les flingues, c'est ça qui plaît le plus. Un changement d'univers accessible à partir de 10 ans et qui remporte déjà un joli succès. Après 3 semaines d'ouverture, la salle enregistre en moyenne une trentaine de sessions par jour. Mais sinon, on peut quand même aller jouer dehors puisque le beau temps continue. Vous allez le voir dans un instant dans la météo et puis les températures vont redevenir plus appréciables. Ça, c'est bien. Et ensuite, ce sera le face à Redac. À tout à l'heure.